Daouda Kanté est l'un des cadres de l'administration guinéenne qui déclare un combat sans relâche contre le Covid-19 en Guinée. Pour réussir son pari, ce cadre du ministère du Plan offre des kits sanitaires aux nombreux passants et autres occupants du marché de Symphonia. Nous avons choisi Symphonia parce que nous-mêmes nous sommes citoyens de ce quartier. Comme on dit souvent que charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc je me suis dit que, quelles que soient les difficultés, il est tout à fait normal qu'on fasse des efforts pour mettre quelque chose à la disposition de l'administration de ce marché pour qu'ils puissent les distribuer aux femmes, aux populations du marché, non seulement pour leur permettre de respecter les barrières, mais aussi surtout les sensibiliser. Nous avons fait aussi des plaquettes de sensibilisation que tout le monde ne peut pas lire évidemment, mais quelques-uns qui peuvent lire ça, peuvent lire et peuvent savoir comment il faut éviter cette pandémie. Ce don est composé de kits de lavage des mains, de savon et masques. Une manière pour les donateurs de contribuer au respect des consignes de prévention édictées par le président de la République contre le Covid-19. Comme le dit M. le président de la République, son excellent professeur Alpha Condé, chacun peut faire quelque chose pour que cette pandémie puisse être freinée dans notre pays. Et pour le faire, il n'y a pas d'autre solution. Il y a d'abord la sensibilisation de la population pour le respect strict des barrières, mais aussi, il y a aussi quelques moyens que nous pouvons mettre à la disposition de la population pour leur permettre de respecter ces barrières, notamment le lavage régulier des mains. Donc c'est pourquoi nous avons pensé nécessaire de mettre ces quelques kits à la disposition de l'administration du marché de Symphonia. Récemment, les autorités guinéennes ont pris des mesures drastiques pour limiter la chaîne de propagation du Covid-19 en Guinée, notamment l'ouverture des marchés à 8 heures et leur fermeture à 16 heures, une mesure appréciée et respectée par l'administration du marché de Symphonia. On remercie beaucoup M. Daouda Kanté, vraiment, qui est le directeur général du Fonds de développement économique et social. Il nous a aidé à avoir des kits donnés et des masques de protection pour arranger les commerçants qui sont au marché Symphonia Gare ici. Les femmes constituent l'une des principales couches bénéficiaires de ces kits sanitaires. Elles saisissent l'occasion pour afficher leur satisfaction et leur soutien au donateur Daouda Kanté pour son combat contre le Covid-19 en Guinée. À la date du 20 avril 2020, la Guinée compte 579 cas confirmés de coronavirus, dont 87 guéris et 5 décès, selon les dernières statistiques de l'Agence nationale de sécurité sanitaire.